Lancement en grande pompe mardi soir d'Al Huffington Post Maroc. Il vient renforcer la rédaction d'un groupe média international qui compte 115 millions de lecteurs à travers le monde, plus de 1000 articles publiés par jour et environ 6000 commentaires quotidiens. D'une manière globale, je trouve l'économie marocaine très intéressante. Elle est dynamique, elle est composée de jeunes, une jeunesse très connectée. 70% des 15-24 ans naviguent sur Internet. Une surprise lors de la soirée de lancement, la directrice éditoriale de l'édition France, Anne Sinclair, et la présidente du Huffington Post Media Group, Ariana Huffington, ont tenu à adresser leurs vœux de réussite à l'équipe marocaine. Dans notre équipe de contributeurs, nous avons déjà le plaisir d'accueillir plus d'une centaine de personnes, des contributeurs de renommée, mais également des internautes, qui soient marocains ou autres, qui souhaitent s'inviter au débat. Al Huffington Post Maroc a été lancé dans la nuit du 27 au 28 octobre. En 24 heures, il a comptabilisé plusieurs dizaines de milliers de visites.